est méchant et monstrueux. La gueule arrogante et anguleuse. Toujours prêt à bouffer un morceau bien mâché. Se couche près de toi, très douteux. Tes yeux à ne jamais se plier. Tes griffes déchirantes et courbées. Sans pitié, comme un lâche, il mord pour de bon. Sa peau rugueuse pareille au dragon. Sol est très gentil, il adore son crocodile, personne n'ose l'approcher. On est quel grand danger. Il est là tout seul, assis à ses côtés, Spot se prend pour un doué, il s'amuse de quoi. Tu t'as choisi comme son grand ami, alors il est doux et gentil. Spot est devenu son ami, il l'a juré pour toute la vie. Si toi tu as peur d'un monstre comme ça, tourne vite la page et chante la la la. Se couche près de toi, très douteux. Des yeux à ne jamais se fier. Des griffes déchirantes et courbées. Sans pitié comme un lâche, il mord pour de bon. Sans peau rugueuse pareil au dragon. Spot fait de la luge. Un jour, Spot s'éveille inquiet. Il veut en connaître la raison. Est-ce que parce qu'il est samedi et papa est à la maison? Non. Ah, je sais. Parce qu'hier soir, Sally a fini de tricoter mon écharpe. Non plus. Mais pourquoi alors? Parce qu'on part à la mer. Et c'est là en plein hiver. En plein hiver. Voilà la réponse. Il saute de son panier sur le bord de la fenêtre. Oh, regardez, quel beau tapis blanc de neige. Hourra, bravo, crie Spot frétillant sa queue. Ah, chouette alors. Il se précipite au rez-de-chaussée où Sally est en train de préparer des cornflakes au lait comme petit déjeuner. J'en veux pas, je veux aller jouer dehors dans la neige, crie Spot en mettant ses bottillons. Au coup non, lui réprimande Sally. Tu vas d'abord te laver, t'habiller et manger. Mais maman, la neige sera déjà fondue, l'orniche Spot. Mais non Spot, rassure Max, lisant le journal. Le bulletin météorologique nous promet du froid et plusieurs chutes de neige pour cet après-midi. Alors papa, tu as envie de faire de la luge avec moi? Lui supplie Spot. Soudain Spot se met à rire. Je suis comique moi, je veux faire de la luge et je n'en ai pas. Viens que je t'aide à construire un traîneau, lui dit Max, mettant son journal de côté. Dans la grange, j'ai encore des planches et des rails à rideaux pour que ça glisse bien. Tu
Tu verras. Chouette, papa. Je peux voir comment tu fais. N'oublie pas de mettre ton écharpe, crie Sally pendant que Spot remonte chercher quelque chose dans sa chambre. Spot met gentiment son bonnet et son écharpe. Dans son excitation, il met son bonnet à l'envers. En vitesse, il avale ses cornflakes et hop, il se trouve dehors avec son père, au milieu de la neige. Si blanche, si fraîche. Le refroidissement de l'air leur fait du bien. À grands enjambées, ils se traînent à travers la neige vers la barrière déjà entièrement enneigée. À l'aide d'une pelle, ils creusent un chemin vers la porte d'entrée. Bonjour, Spot. Comment trouves-tu mon nouveau traîneau? Lui demande Tom le crocodile de derrière la barrière. Spot se penche au-dessus de la barrière et voit Tom avec un de ses traîneaux sans pareil. Magnifique! S'exclame Spot plein d'admiration. J'en ai aussi un, invente Spot. Nous pourrions faire des courses en traîneau. Max et Spot continuent leur chemin vers la grange. Il y a tout le nécessaire. Des vieux rails à rideaux, une scie, un marteau et des clous. Ils portent tout le matériel dans la maison, car il fait trop froid dans la grange. Pendant leur déménagement, ils rencontrent Betsy la nounours, tirant un beau traîneau bleu clair derrière elle. Bonjour Spot! Comment trouves-tu mon nouveau traîneau? Ah, très beau! Lui dit Spot un peu envieux en voyant ce traîneau. Attendez, j'arrive avec le mien. Nous allons faire de la luge ensemble. Nos amis arrivent à la maison. Sally couvre le sol avec des papiers de journaux et Spot et Max se mettent à construire leur traîneau. Vers midi, ils ont fini. Ils demandent à Sally une corde à linge pour pouvoir le tirer. Vous deux, vous êtes uniques, dit Sally tout fière. Quel beau traîneau! Pas mal, pas mal, dit Max modestement. Qu'en penses-tu, Spot? Spot inspecte son traîneau juste terminé. Il évite de penser au tout nouveau traîneau de Tom le crocodile et de Betsy la nounours. Il est unique, papa, dit-il d'une voix grêle. Pour rien au monde, Spot ne ferait du mal à son père. Ils tirent leur traîneau par la corde à linge. Ils avancent sur le chemin vers la colline. De loin, ils remarquent les traîneaux de différentes couleurs qui descendent la colline. Regarde, Tom le crocodile, c'est l'orange. Et Betsy, un bleu clair. Croquis le chimpanzé, le rouge. Et Hélène l'hippopotame, le vert. Bonjour Max, bonjour Spot, crie Tom le crocodile, voyant Max et Spot arriver au sommet de la colline. Envie d'une course! Ah, bonne idée, dit Max. On attend les autres, et puis moi je donne le signal de départ. Spot perd le courage, voyant son traîneau parmi les autres. Je ne pourrai jamais gagner avec le traîneau qu'on a bricolé, pense-t-il. Pourquoi cette idée de compétition? Regrette Spot. Au départ! Crie Max. Oui, papa, soupire Spot. Prêt? Crient les autres en chœur. Go! Crie Max. Et toute la luge démarre sur la pente enneigée. Hop, 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 à gauche, à droite. Ils descendent la colline et tous en même temps. Max cherche Spot. Où es-tu? Pas de Spot! Mais Spot se trouve déjà en bas de la colline, bien avant les autres, n'en croyant pas ses yeux d'être le premier. Il voit les autres arriver. Il a gagné la course. Trois hurrahs pour Spot! Crie Tom le crocodile. Trois hurrahs pour Spot! Crie Max. Et tous retournent à la maison. Max, dit Spot de sa voix grêle. C'est le plus beau traîneau du monde. Je sais, réplique Max. Il regarde le ciel qui devient de plus en plus gris. Plus de courses en traîneau aujourd'hui. Nous sommes partis pour une bonne tempête de neige. Dommage, renifle Spot. Max exclame soudain. Je sais ce qu'on va faire. J'ai vu dans la grange des vieux pots de peinture de toutes les couleurs. On va peindre ton traîneau dans les couleurs de l'arc-en-ciel.
Spot, tout ému, ne dit plus rien. Il glisse sa patte dans celle de Max et lui lèche la joue. Monsieur Lyon est déguisé en facteur tous les matins, après-midi et à toute heure. Il joue le rôle de courrier et de porteur, apporte des lettres, des paquets et des porte-bonheur. Quand il arrive sur sa bicyclette, il est fort chargé de toutes ses lettres. Il sait trop tard. Monsieur Lyon est déguisé en facteur tous les matins, après-midi et à toute heure. Il joue le rôle de courrier et de porteur, apporte des lettres, des paquets, des porte-bonheur. Monsieur Lyon est déguisé en facteur tous les matins, après-midi et à toute heure. Il joue le rôle de courrier et de porteur, apporte des lettres, des paquets et des porte-bonheurs.